Bonjour, bonsoir tout le monde. Habitant dans savane pistache qui trouve un cafoufeuille a posé la patte sur un présumé bandit. Mab gang grand ravine, habitant yo rachil et puis mette difé sous lit. Mairie Kafou condamné fusillade qui était faite dans la commune vendredi passé, hein. Ça qui était la cause au moins 4 monde mourir. Dans un communiqué qui publié, mairie a exigé yon enquête. Toute activité culturelle sous voie publique là, interdit jusqu'à nouvel ordre d'après un magistrat, Jude-Edouard Pierre qui réclamait sic respect à disposition bon côté autorité judiciaire yo gagne ancien maires Akaya Rosemila petit frère gagne un juge là abtenir demain jodi dans l'idée pour capable tendre li dans cadre dossier corruption dans caisse assistance sociale parmi yo gagne Edwin Tonton qui c'est ancienne directrice qui dans prison depuis mois d'avril dans même cadre dossier si là. Plusieurs organisations environnementales dans le pays ont écrit premier ministre pour demander de changer ministre environnement qui pas réglé rien dans tête ministère. Cependant, organisation ça quoi pour le ministère doit choisir un citoyen compétent cap évoluer dans secteur environnement et écologie cap mettre dans dimension pour poser un problème yo. Ancien sénateur Yuri Latortudi l'a paré pour le faire appel ordonnance qui t'a sorti contre l'IAN. Jusqu'à présent, dirigeant AAA fait qu'on est avocat pour qu'on j'aime recevoir document sa cap si qu'il est dans la presse. Ancien parlementaire fait qu'on est li pour qu'on j'aime signifier de ordonnance juge Martel Jean-Claude t'a sorti contre l'IAN. Ancien parlementaire qualifié persécution politique dossier ULCC. La Commission nationale subvention pétrolière ciblée qui a annoncé lancement officiel programme collecteur données pour subvention, ça a parti hier lundi. Tout chauffeur public a dû passer dans le commissariat à travers payant pour venir à copie papier machine à 4 assurances pour enregistrer machine d'après eux n'importe quoi la commission du Messonson. C'est pour ça que divers les autres qui parlent fait essentiel journal. Arrête de brancher n'a pas tourné. Merci Foucault, nous allons poursuivre avec information yo, yon présumé membre gang Grand Ravine, Joanne Lamol, c'est habitant dans Savane Pistache, dans Kafoufeuille qui t'a posé la patte sous lit, habitant yo t'a rachil et puis mette diffé sous lit. Présumé bandit ça, et les habitants posé la patte sous yo, dans échange à coup de balle entre bande armée Grand Ravine et puis habitant dans quartier. Yon habitant yo qui senti yo fatigué à cause mauvais acte gang ça, yo rachil et puis yo mette difé sous lit. Après ça, habitant dans localité ça, c'est monté 7 fois, 77 fois, n'a d'après déclaration, yo pap quitté un nèg exam vin envahi zone nan. Faut nous souligner tout gain divers gain plusieurs jours là gang grand avin nan pas quitté sommeil nan zier habitant dans Kafoufeuille. Na prédiction Kafou, gen mairie Kafou qui condamné fusillade qui fait dans la commune vendredi passé, hein. Ça qui la cause au moins 4 monde mouri dans un communiqué qui publié maire titulaire Jude-Edouard Pierre exigé yon enquête. Magistrat commune Jude-Edouard Pierre réagit suite avec un fusillade qui fait dans la commune vendredi 23 juin. Dans un communiqué, mairie a condamné drame ça qui produit sous voie publique là sans autorisation préalable autorité municipale yo. Pendant le présenté sympathie by proche défunt, magistrat Jude-Edouard Pierre l'a demandé avec autorité yo pour capable faire lumière sur crime ça et puis pour poursuivre assassin yo devant la justice. Toute activité culturelle sous voie publique interdit jusqu'à nouvel ordre d'après magistrat qui réclame strict respect disposition bon côté autorité judiciaire yo. Gagne diverses organisations haïtiennes dans diaspora qui a organisé yon levée de fonds pour capable aider victimes inondation qui t'est faite dans Léogane. Dans l'été pour capable aider victimes inondation majeure qui t'est faite 3 juin 2023 dans Léogane à qu'un tremblement de terre qui t'est passé dans grand pays en 6 juin passé. Gagne fondation Alliance Calis International ak ministère méditation la Bible pour évangélisation et développement qui invite tout haïtien dans diaspora ak organisation caritative yo pour participer dans journée levée de fonds ça qu'a fait 27 pour 29 juillet 2023 pour capable aider victimes inondation majeure qui ravage commune Léogane samedi 3 juin et puis tremblement de terre qui était passé dans département Grand Espéyan 6 juin côté commune Beaumont touché en pile. Sherman Fondation Alliance Calis International là voulait porter soutien considérable ak moun qui avancé en âge yo et puis moun qui handicapé qui était frappé à cause inondation 3 juin dans Léogane à 4 tremblements de terre 6 juin dans département Grand Est pays d'Haïti.
J'ai monté annoncer ça dans le titre journal la gain Mires Akaya Rosemila petit frère juge Jean Wilner Moïse t'a supposé tendre jodi hein. Invitation ça rentrer dans cadre dossier corruption caisse assistance sociale parmi yo directrice Edwin Tonton qui n'en prison depuis mois d'avril passé hein, après magistrat et fin tendre yon deuxième fois li réputé comme proche premier ministre Ariel Henry. Rosemila petit frère présenté comme moun qui te permet avec madame Tonton prend tête direction CIS là. Nous apprenons tout madame Tonton continue à signer document dans non CIS à titre directrice depuis cellule li. Toujours dossier justice dans le journal là, en pile réaction suite avec décision ancienne première dame n'a pris avec petit li pour déposer plainte dans pays États-Unis contre présumé assassin Maril. Renaud George, qui c'est un avocat et prisonnier, a critiqué Martine Moïse pour être l'hypothèse plainte ça. Mais Renaud George croit, c'est parce qu'elle pas voulu pour Maril jeune justice qui fait li al déposer plainte dans pays États-Unis. Dans ce sens-là, homme de loi mandé avec juge Walter Wessel Voltaire cap instruit dossier pour capable reler madame Martine Moïse en côté maître Renaud George pour plus de détails. Moi même moi pas comprendre démarche madame Moïse quand elle porte plainte aux États-Unis, soit déjà pour l'accès à une justice pour Marie. La justice, on a ici déjà saisi des espèces là. Mais sur le bon bagage pour le dire, on doit venir pas devant le juge Voltaire qui a instruit l'affaire. Et puis, il fait telle déclaration que le juge à propos. Moi-même, si tu me conclues, moi, que accusé à tort. J'ai la guerre civile dans le dossier ça, qui pas mis dans aucun dossier sur le président, ni de près, ni de loin, même de très loin. Donc, ben ça, et nous-mêmes, nous pas d'accord avec. Et que nous-mêmes, nous croyons que ça, c'est une sorte de gars et paille, comme fait là, et que madame n'a pas capable soit haïtienne, c'était la première dame, nous, pour le cas, dit que n'y pas faire confiance à la justice haïtienne. Donc, nous-mêmes, nous pas comprendre de machin, et nous pas rien tout. Et c'est ça que fait, nous ne pas respecter nous. Et nous-mêmes, nous refusons de respecter la constitution, la caille nous, loi la caille nous, autorité la caille nous. Donc, nous-mêmes, ben, ça, tout le monde comme ça, c'est confusion, créer confusion, parce que quand les films disent que les pas besoin de qui m'ont tué le président, eh ben, où est-ce qu'on m'a dit pas besoin, c'est pas juste comme ça, c'est vrai. Quelqu'un est là pour chercher à couvrir le monde, pour ne pas découvrir le monde. Moi-même, je dis que si la première dame n'a pas réellement une bonne justice pour Maril, bon, ils font bonne, déjà une bonne déclaration contradictoire dans le dossier. Il y a eu des couilles à l'île où il n'y a pas mis jambes de Kimoun. Moi-même, je pense que le juge Voltaire a adoré les madames là pour poser telle question que le juge a proposé dans quatre, n'est-ce pas, dossiers ça. Toujours sur le même dossier, ça, gain, maître Marc-Antoine Maisonneuve, yon avocat neuf Colombiens qui n'en prison, cap défend Colombien, ça, yon a quatre dossiers, ça. Li estime si on plainte qui pa vle di rien parce que d'après li pa gen aucun résultat ça abaille. Homme de loi rappelé dossier ancien président Jovenel Moïse déjà pendant la justice haïtienne. En côté maître Marc-Antoine Maisonneuve pour plus de détails. Il s'agit d'une plainte insignifiante comme donc pas gen rien qu'a produit à la suite de plainte déposée devant la juridiction américaine. Non, n'oubliez pas que la question est déjà pendante par devant la juridiction haïtienne. Et comme nous l'avons toujours rappelé, il y a des actes d'instruction qui sont déjà posés par des juges instructeurs haïtiens dans le cadre de cette instruction. Ensuite, et pas oublier, ça ne toujours dit, l'assassinat de Jovenel Moïse est un crime transnational. Il ne s'agit pas de crime international. C'est-à-dire qu'il y a des précautions pour nous prendre, c'est-à-dire c'est la juridiction haïtienne et qui est compétente. Bon, même si on monte à l'effet, une analyse juridique, une analyse conventionnelle, où t'as essayé de montrer que une autre juridiction étrangère est qu'à compétent. Mais pas oublier, par le fait que y a des actes qui posaient déjà ici, sous prend bagaille en côté devant l'autre juridiction, ou qu'à venir déboucher sur ce qu'on appelle et contrariété de décision. Et nous savons ce que ça signifie en droit. Et Bombo, c'est pas pour la première fois et que l'ex-première dame arrive à faire preuve de mascarade, de diversion dans le cadre de procès. D'ailleurs, c'est pas sans raison qu'il faut, ouais, on rafale le monde qui m'a dit, est-ce
qu'elle n'a pas une part de responsabilité dans l'assassinat de son mari. Tenez bien, madame rappelle de temps en temps que l'État haïtien a déjà adressé des requêtes à l'ONU pour lui demander de procéder à l'institution d'un tribunal pénal international et dans le cadre de cet assassinat. Pourtant, on parle de l'installation, de l'implantation, de l'institution d'une juridiction pénale internationale, c'est en matière de perpétration de crimes internationaux. C'est où dans le genre que vous condamnez déjà, n'est-ce pas? Bon, donc, c'est une condamnation qui peut facilement nous induire en erreur. Et vous pensez que c'est une condamnation visant à protéger les vrais coupables, les auteurs intellectuels et sans nul doute qui sont des alliés. Nous avons été constitués pour assurer la défense de 9 de ces 18 Colombiens. Gagne quelqu'un et que nous citer l'assassinat Jovenel Moïse. Attention, il y a un pouvoir en main aujourd'hui à l'art. Ariel Henry s'est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, monsieur. Qu'est-ce qui pas contre ça? Ou pas tant déjà, ou dans le genre, il y a une information ça, oui. Réaction bien rapide suite avec ordonnance juge Martel Jean-Claude concernant ordonnance à l'époque contre ancien sénateur Yuri Latotu et ancien sénateur Joseph Lambert, ancien député Jean-Robert Bossé estimé ordonnance si là c'est une honte les faire qu'on est. Li pas sent-il trop à l'aise pour le faire commentaire sur dossier ça. En côté déclaration, c'est député Jean-Robert Bossé. Pour le cas qui concernait les deux anciens présidents du Sénat et président de l'Assemblée nationale que nous participons là-dedans pendant ces 4 dernières années, ça, moi, capable de dire très clairement que le sénateur Yuri Latotu, par exemple, lui reconnaît effectivement que gagnait l'argent qui des chèques qui sortit sous mon maman malheureusement au job qui trouvait le tout carnelé que ouais il reconnaît ça. Je ne reconnais pas, mais il a avancé, il dit que c'est une pratique qui générale en dans la République là. Ça a mis l'hôtel, il retenait attention même. Il dit que c'est une pratique qui s'est admise, hein, que l'été d'accord sur lui, que faut en général, pas capable de fonctionnement, de pratique, de méthode de fonctionnement qui en marge de la loi, de la constitution de la République d'Haïti. Donc, on n'a pas de droit, c'est ça. Quoi que le sénateur Yuri reconnaît. Moi-même, ça a dérangé énormément. Fermez nous dans la chambre des députés, mais pas de chambre, il y a 90 000, il y a 90 000, mais pas de chambre de langue moins proche, mais pour vous expliquer mon fonctionnement de manière générale et dans la chambre des députés. Mais pratique que le sénateur Yuri parlait dans le Sénat, mais pas qu'on est, mais pas de qu'on est dans la chambre des députés. Dans la chambre des députés, à l'époque de temps pas moyen, pendant 4 dernières années, 4 années que c'est passé en bas dans la mission de voilà, mais parce qu'on est dans une pratique comme ça. Mais je dis que ça va empêcher que des gens qui doivent faire eux-mêmes, de mettre une paille pour que dans quel bureau pour utiliser l'argent. Moi, pas étonné que ça doit arriver. On est derrière des membres de bureau qui étaient au nom de l'UIST, derrière un coordonnateur, un secrétaire, etc., délégué, même qui est fait ménage, etc. Oui, même ça, eux qui gagnaient, eux, chèque, ceux qui sont morts. Oh, à nous, on texte de loi. Mais dans le règlement intérieur, là, il y a des éléments qui servent de référent. Dans le règlement intérieur, chambre députée, là, d'accord? Alors, c'est décidé que nous allons retenir, mais qu'ils n'auraient pas de si, mais ça allait, etc. Ça allait, on était dans le cadre de fonction publique, là, c'est ça le fait. Mais pas gagné un texte de loi qui voté au Parlement. Probablement, c'est intéressant, la question, là, côté de l'incapable d'inciter le monde, mais même éventuellement si vous tournez dans le Parlement, on peut venir capter des mots là, pour qu'effectivement, il est capable de voter le texte de loi qui dit très clairement, mais ça la tombe, ou bien mais cadre légal, ouais, créer un cadre légal, soit l'honorable Mater, c'est pour réussir de collaborer, obstruction à la justice, à l'instruction que Mater est appelée. Et là, on a dit d'abord qu'il faut. Moi, je crois en termes de bataille contre la corruption, il ne faut nous pas camper, il ne faut nous pas chercher aucun prétexte, il faut nous camper derrière ou pas de l'écrire direct
appartement, ou t'es me passé par un tel et tel, ouais, tu vois, pour ne pas rentrer dans le Parlement. Gen ansyen minis kap vive ayisyen kap vive nan peyi etranje yo ki estime somè Jamaik lan te deja li te prevoal pa bay anyen. Pou ansyen minis lan, monte desan premier ministeriel ri pa pote oken solusyon ak problem peyi a fe fase, se konstitisyon 1987 lan ki pou aplike se dapre Olisye Prerich ki kwe se sel mwayen pou kapab sorti peyi an nan kriz liye jounen jodi. An koute Olisye Prerich pou plis detay. Alors moi crois que peuple haïtien réaliser que après soi-disant sommet qui était fait Jamaïque d'ailleurs nous t'ai déjà dit nous reconstruire Haïti et solution li pas sorti ailleurs solution li rete et nous croyons nous continuer croire li rete dans l'application de la constitution haïtienne du 29 mars 1987 je veux dire c'est pas seul parti reconstruire Haïti qui well par exemple toute partie qui composait CNTPA maître Francisco René maître Karine Mathurin toute notre parti politique y compris unir de Clarence Renoir nous tout nous quoi solution crise pays elle a passé par application Constitution haïtienne 29 mars 1987 là parce que article 149 en version créole qui pas jamais amendé là il dit clair qui ça pour faire maintenant que ce soit docteur Ariel Henry a viré en rond aller Bahamas aller Jamaïque aller à Paris moi même moi crois que son volonté manifeste pour crise à pas résoudre et docteur Ariel Henry doit arriver dans une situation pour reconnaître en tant que père de famille, grand-père de famille, un professionnel, un redignitaire de l'État, citoyen conséquent, il n'est pas capable de continuer après plus que 22 mois, continuer à pas qu'à appliquer constitution paysan qui cause que toute force vive paysan yo nan maron yo nan krasé rek parce que bandi kidnapper violé yo krasé kayo boulé afè yo c'est-à-dire situation li intenable et faut nous dit toujours dit hein cause qui mène nous là c'est pas seulement docteur Ariel Henry non mais leader politique pays à majorité nan yo qui compose avec docteur Ariel Henry yo chita avec nan hôtel nan motel nan makrel pour faire toute qualité accord désaccord et mais yo pas jamais voulu appliquer constitution haïtienne 29 mars 1987 là c'est ça que fait jodi hein même étranger international la soi-disant qui toujours pas voulu nous yo continue à passer nous en dérision parce que finalement yo ouais que nous c'est des responsables qui par contre ça nous voulait parce que si nous te compte ça nous voulait nous t'app appliquer constitution la ca nous d'abord que ce soit problème qui gagne aux États-Unis d'Amérique du Nord dans Canada en France yo respecter constitution la ca yo mais nous autres nous refuser respecter constitution 29 mars 1987 c'est que juge aujourd'hui ou un conseil de monde qui voulait mettre 5 présidents dans palais et puis docteur Ariel Henry lui-même lui voulait camper pour contre lui. Ça veut dire que yo pas de respecter constitution. Ça que nous-mêmes nous mandé dans CNTPA, dans on a parti reconstruire Haïti et toute notre organisation politique pays nous dit haïtien qui vivent dehors pays nous voulons pour nous appliquer constitution 29 mars 1987 là qui dit mais qui gens pour nous combler vide dans pouvoir exécutif là particulièrement lorsque président l'y empêcher pour quelque cause que ce soit. Moi quoi, si nous arrivons là, n'a pas capable au moins aller vers les élections libres, honnêtes, démocratiques et n'a pas capable résoudre problème insécurité hein, qui sont fléaux, qui sont cancers pour peuple haïtien hein, et qui mettent à terre plate toute économie nationale là et qui ruinent les familles haïtiennes. Ancien ministre profiter inviter tout haïtien pour participer dans mouvement il y a organisé 8 juillet qui a venu là. Nan li te pou kapab priye pou Haïti, Olisye Prerich kwe tout Haïtien conséquent dwe patisipe nan kad aktivite sa ki vize priye pou Haïti, men ki vize tout pèmèt pou kapab rezout kriz ki a brase bil peyi d'Haïti. An kote yon lot fwa, Olisye Prerich. E fòk nou di marj ki pral fèt le 9 juyèr, se pa seman sektèr evanjelik lan, c'est tout haïtien qui invité, tout haïtien invité pour nous comprendre, c'est une nécessité pour nous lever voix nous ensemble, pour nous j'ai devise nous on dit nous l'union fait la force, pour nous camper ensemble, pour nous dire nous-mêmes haïtiens nous bouquer, que ce soit haïtien de l'autre pays là, que ce soit haïtien de pays à travers les 10 départements géographiques du pays, on nous lever voix nous ensemble. Il faut qu'on dise son marche pacifique, pas de violence là-dedans, c'est nous pour exprimer ras-bol nous. Moun qui capable venir avec bibio chant d'espérance yo moun qui capable venir à deux mains deux pieds yo et venir
pour nous capables de montrer aux, à la face du monde que nous ne voulons pas ça qu'a fait là. Nous, les Haïtiens, nous ne voulons pas que le pays a continué à rester dans l'illégalité, que le pays a continué à rester dans le chaos politique, le pays a continué à rester dans l'insécurité, dans le banditisme, dans la corruption, dans la malversation. Nous ne voulons que le pays a continué à rester avec un seul, avec un gouvernement monocéphale, parce que la Constitution 29 mars 1987, là, il dit bicéphale. Il dit qui gens pour nous arriver à résoudre le problème politique là, pour nous suspendre, faire accord, si accord, désaccord, pour nous capables de arriver à retourner le pays là, vers la normalité constitutionnelle, et bien pour tout secteur dans la vie nationale là, capable yo même yo vaquer librement à activité moun ki nan commerce yo exerce commerce yo sans pas besoin de monopole ni sans pas besoin gagner d'aka di marché noir k'ap fait et pas besoin gagner contrebande k'ap fait tout moun ki nan secteur éducation que bay meilleur de ou même pas chita a piller parents yo et pour la police pas chita violer droit moun pour si là qui dans sous-traitance là qui cap travaille au niveau factorio pour gagner un salaire minimum décent pour capable au moins vivre, pour policier gagner prime d'assurance et normalement qui fait que famille senti yo en toute quiétude, même si son métier a au risque mais là dans la rue yo connaît bandit pas blaguer ou à terre, et même quoi faut nous river mettre société à notre dimension, que tout le monde qui vive, que tout le monde capable de vivre, fonctionner normalement. Et je dis, c'est ça que fait, nous dit, le 9 juillet, tout Haïtien invité, toute l'église évangélique, tout leader évangélique, nous tous invités à travers le monde pour nous prendre la rue, pour nous dire, nous-mêmes Haïtiens, nous ne pouvons pas les situations ça continuer concernant le pays. L'autre dossier dans le journal, il y a plusieurs organisations environnementales dans le pays qui écrit Premier ministre pour demander de changer ministre environnement qui, d'après eux, même pas réglé en rien en tête ministère pendant environnement pays pas suspendre dégradé. Cependant, organisation, c'est à quoi Premier ministre de choisir un citoyen compétent qui a évolué dans le secteur environnemental là, avec écologie, qui a mis dans la dimension pour poser problème. Yo. Anel d'Orléans, cap dirigé Ecovert, bay garanti, y a météo disponible pour collaborer avec n'importe ministre qui répond à critère sa yo. Premier ministre t'a nommé, d'un côté Anel d'Orléans. Par rapport à gros problème environnement, pays d'Haïti a fait face à coup de déforestation, dégradation sol, pollution plastique, pollution de l'eau, ak biodiversité nationale là qui sous route pour disparaître. Et face à incapacité équipe cap mener gouvernance environnement, qui pas prend pièce mesi pour empêcher dégradation environnement, qui pas prend pièce mesi pour empêcher forêt disparaître, pour empêcher soucieux à rivière polluer, qui pas prend pièce mesi pour empêcher monde continuer vivre sous fatra dans pays d'Haïti. Nous-mêmes ensemble organisation écologique ça devant dégradation accélérée environnement ça qui présente une véritable menace pour santé monde, nous estimons l'important pour nous adresser correspondance ça avec PM Ariel Henry, avec au Conseil de transition, pour nous demander au temps pris s'il vous plaît, pour sauver l'environnement pays d'Haïti, pour assurer un plus bon demain meilleur avec pays ça, temps pris s'il vous plaît, changer ministre environnement, temps pris s'il vous plaît, nommer un nouveau ministre environnement. Et n'a conseillé tout PM Ariel Henry, avec le Conseil de transition, choix ça qui pourrait le faire pour nouveau ministre environnement. Faut-il bien que moun sa pral ministre là d'abord sorti dans secteur environnement, son moun qu'on a goumé pour secteur, son moun qui en position, qui toujours prend position pour environnement, son moun qui bien formé, un moun qui connaît secteur, un moun qui en mesure pour le travail avec communauté internationale là, un moun qui en mesure tout pour créer une synergie au niveau de gouvernement, un moun qui en mesure tout pour accompagner organisation écologique qui fait partie des systèmes national de gestion environnement, dans l'idée pour nous définir une nouvelle politique publique dans la question environnement, dans l'idée pour nous capables de définir ensemble une politique publique qui dit mais comment on a géré fatra dans le pays d'Haïti, mais comment on a géré sous l'eau dans le pays d'Haïti, mais comment on a géré rivière dans le pays d'Haïti, mais comment on a géré côte pays d'Haïti, mais comment on a géré tête monde pays d'Haïti, basse verse qui vient dégrader, parce que je dis si nous continuons avec même équipe ça, si c'est toujours même monde ça depuis des années
qui n'a tête environnement qui paraît gagner et qui je ne je dis à nous pays ça son pays qui vulnérable par rapport avec catastrophe naturelle nous songez il la pluie qui fait dans mois juin là comment pile zone dans pays a inondé ça montre nous son échec lié devant équipe qui t'a géré question environnement pendant dernière année ça faut-il bien que gain des changements qui pote au niveau des secteurs environnement faut qu'on nouveau équipe qui prend direction ministère ça pour capable permettre que nous préserver ressources naturelles yo une bonne gestion des environnements une bonne gestion des écosystèmes yo qui indispensable pour la vie dans sens ça nous estimer que nous même ensemble organisation ça nous mandons nouveau leadership dans tête ministère environnement nous mandé faut que bagaille yo changer faut quatre la rebat et nouveau leadership ça faut le sortir dans secteur environnement et ensemble nous pourrons travailler avec moun sa dès que c'est dans secteur environnement pour permettre que nous capables changer ou bien améliorer cadre de vie en Haïti ou bien environnement qui vraiment définit dégradé qui revient représente une véritable menace pour citoyens par rapport avec l'axis ou bien compétence équipe qui là qui va arriver prendre bon jamais pour protéger environnement pays d'Haïti nous croit pas trop tard. Mais avec un ministre qui sorti dans le secteur environnement, qui connaît le secteur, qui a une compétence pour ça, je pense que il y a une possibilité pour résoudre le problème environnemental du pays d'Haïti avant qu'il arrive dans une situation de non-retour. Donc, nous avons une phase extrêmement importante dans l'histoire nationale. Là, ça fait nous demander au niveau des secteurs environnement, pour gagner des changements qui fait, d'abord, faut nous commencer par changer les hommes. Et ça fait nous demander un nouveau leadership. Notre tête ministre de l'Environnement, nous-mêmes, ensemble, organisation, ça, pour au moins éviter pitava pitrice, côté que, quatre dévias capables tellement déplorer la vie capable pas possible en Haïti. Donc, si nous pas protéger l'environnement, si nous pas prendre bon jamais dit, pays capable invivable dans le jour qui vient là, parce que toutes conditions qui permettent la vie possible, toutes menaces dans le pays, c'est ça que fait nous demander un nouveau leadership, des nouvelles stratégies, nouvelles politiques publiques dans la question environnement. Faut que moun kap travaille dans le secteur environnement, kap milite pour question environnement, capable optimum des affaires, pour capable prendre bon jamais dit, pour parler avec problème environnement pays d'Haïti, qui sont menaces pour existence pays ça. Merci. Gagné Conseil national société civile haïtien qui s'allie avancé gouvernement pour mettre pays en sous chimée élection. Joseph Domingue Orgela félicité différents secteurs dans pays qui déjà choisi représentants pour nouveau conseil électoral provisoire. Président conseil là fait connaître sécurité en pas qu'un obstacle pour organiser élection dans pays. Joseph Domingue Orgela précisé même côté la guerre élection rivière organisée en côté déclaration. Au niveau du Conseil national de la société civile haïtienne, nous avons suivi l'évolution de situation. Et comme c'est un grand chantier, le gouvernement s'agit, comme tout gouvernement provisoire, c'est qu'il veut faire élection pour permettre des autorités légitimes qui viennent prendre le pays. Dans le cas ça, nous avons gagné un effort qui a fait côté gouvernement écrit un ensemble de secteurs, et secteurs désignés de monde qui sont capables de faire partie de l'ISS. Et l'ISA, c'est là-dedans, le côté ACT, selon accord 21 décembre, capable de puiser pour choisir 9 personnes qui pourraient former le Conseil électoral provisoire, qui a une grande responsabilité, parce que dans le contexte de la vie là, c'est très difficile pour nous travailler sur la question élection, parce que, en pile de monde qui déplace dans la population, et je pense qu'on travaille technique qui vous fait, qui vous permet de nous gagner une élection crédible, honnête, démocratique dans le pays. Élection, sécurité, qui c'est une compte importante pour réaliser l'élection, jusqu'à présent, situation toujours difficile, qui sont sécuritaires pour résoudre dans le pays. Est-ce que nous avons la possible de mettre contre KEP et puis nous n'en sommes là, je veux dire. Bon, nous avons les pensées Haïti, son pays unique sur la terre. Même en temps de guerre, il fait élection. Il y a des pays qui sont en guerre, il fait élection. Bon, situation extrêmement difficile dans le pays d'Haïti. Mais nous pensons depuis qu'il y a une volonté politique, et nous toujours dit ça dans le Conseil national de la société civile haïtienne, c'est volonté politique qui manquait, qui fait question sécurité à propos de ça. C'est ça, c'est volonté politique qui peut gagner. Et puis, nos amis de l'international, si vous voulez aider nous, effectivement, résoudre le problème, vous comprenez qui ça pour vous faire, c'est pour vous suspendre, quitter les âmes entrer dans le pays. Parce que Haïti n'a pas fait âmes, Haïti n'a pas fait munitions. Quand les âmes sont sorties. Mais si international a voulu aider nous, qu'est-ce qui empêche les amateurs dans le pays? Aussi simple que ça.
Président Conseil National Société Civile, Joseph Domingue Orje Lacroix, gen gros effort qui fait un dialogue Jamaïque là. Côté Ariel Henry accepté, mette plus membres dans le Conseil Transition. Il prend engagement pour monter un nouveau gouvernement. Ça, c'est un bon signe qui pouvait acter sous bonne voie, d'après Joseph Domingue Orjela, en côté Lyon l'autre fois. Bon, dans toute crise qui traverse le pays d'Haïti, déjà, nous toujours, ouais, gagnons un pile monde qui pensait si c'est pas eux qui proposent une solution, si c'est pas eux qui viennent à une solution, il n'y a pas solution. Nous pensons que gagnons un gros effort qui fait à partir des déclarations Jamaïque, là. Côté, dans un premier temps, gouvernement avec les partenaires de l'intérieur de Samyo, ils ont commencé à travailler, ils sont d'accord pour ouvrir ACTA malgré qu'il y a un moniteur qui est sorti, qui dit ACTA c'est toi membre qui gagne, mais ils sont d'accord dans le cadre d'ouverture là pour ouvrir ACTA. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont parlé de remaniement cabinet ministériel. Ils ont pris engagement pour faire un cabinet ministériel, ils ont dit qu'ils ont fait un gouvernement d'unité nationale. Je pense que c'est des bons signes. Et comme gagne des protagonistes, la déclaration de Jamaïque et la feuille de route proposée par le gouvernement, moi je pense que c'est un bon signe pour être capable de mettre tête ensemble parce que tout compte fait, pas gagne l'autre gens pour nous chercher retirer Haïti dans sa lia que chita parler yon ak l'autre mais non parole qui franche côté c'est pas yon k'ap chercher ba l'autre kokajam. Nous même dans la société civile là nous toujours croire ça et nous toujours prôner ça, faut bon dialogue qui franc, sincère qui capable permettre effectivement haïtien chita et yo poser problème Haïti d'abord, mais c'est pas chaque groupe qui pense yo ka tout résoudre petit problème pa yo, mais petit problème yo te gagne avec l'autre partenaire. Moment ça c'est un moment qui est critique dans la vie peuple haïtien hein? Et faut dirigeant yo mette yo à la hauteur pour yo chita réfléchir ensemble pour qui pi bon façon yo ka retirer Haïti dans ça. L'autre dossier dans le journal la guerre, commission nationale subvention pétrolière ciblée qui a annoncé un lancement officiel programme collecte données pour subvention ça a parti hier lundi hein. Tout chauffeur public de passer dans commissariat yo à travers pays hein, pour venir à copie papier machine nan, à quatre assurances pour enregistrer machine yo d'après une porte-parole commission du Messonson en côté déclaration. L'État haïtien à travers commission nationale de subvention pétrolière ciblée CNSPC a lancé officiellement programme collecte de données pour subvention ciblée hein, lundi 26 juin. Hein. C'est dans l'optique pour nous mobiliser, inviter tout chauffeur transporteur public yo, pour yo passer dans le commissariat yo, à travers 146 communes paysans. Côté que, pour yo venir avec copie papier machine, yo, que ce soit copie 4 d'assurance ou bien papier machine yo pour que yo enregistré ça cap permettre yo bénéficier subvention pétrolière là l'État haïtien t'est lancé sur tout pays là dans sens ça nous mêmes qui fait partie des commissions ça qui gain pour aller sur terrain déployer à travers commissariat yo pour que nous encourager sensibiliser chauffeur yo pour yo enregistrer pour permettre population en général bénéficier programme ça que nous gain environ presque deux ans que n'abtonne question ça. Donc, journée jeudi, hein, nous féliciter l'État haïtien à travers l'effort que lui manifesté pour qu'il te permette finalement de concert avec syndicalistes dans le secteur transport hein, pour programme ça lui-même lui arriver à atterrir. Donc, c'est une première étape, collecte campagne de données, il y a une autre étape qui va le franchir pour que vous permette quatre pétrolières dans les mêmes les sorties pour aller joindre et transporter yo pour yo bénéficier programme ça que nous connaît peuple à les mêmes la prétend. Donc officiellement programme collecte de données a lancé sur tout pays à partir de lundi cap 26 juin 2023. Donc n'attend tout le monde, nous pensons que jodi à l'éclair c'est pas une faveur que gouvernement l'État haïtien lui l'a fait population, hein, c'est un devoir yo gagne pour que yo accompagne peuple là. Parce que nous pas oublier, décision qui te prend, qui te monte gaz là, côté que yo te annoncé, yo te supposé, bah, un accompagnement, pour yo agir, pour yo bah, une subvention avec secteur transport, pour permettre que population li bénéficie pour pas payer machine yo. Tête nègre, mais je dis à, li clair que, face à lui-même, li pral lancer pour que, nous enregistrer machine yo à travers pays pour permettre que subvention lui-même li atterri.
Zami internautes, c'est la journal La Kabbala pour la journal qui est arrivé possible grâce à Clévé Capé, toute équipe, sa nouvelle là. Coordination avec rédaction, José Belamou, micro, présentation, Jean Wilner, Sivert, Ak Foucault. Bye bye tout le monde, rendez-vous demain si tu veux à 6h pour notre édition de nouvelles.